Bon, c'est moi j'aime bien aussi hein, les porte-greffes francs. J'aurais tendance moi à préférer planter moins d'arbres et à les accompagner sur des systèmes architecturaux plus adaptés en fait en quelque part. Plus proche du naturel, ouais. Plus proche du naturel parce que bon après peut-être il y a une coévolution, mais des fois je vois des densités de fruits sur des arbres. Sur les porte-greffes nanifiants, des fois ça fait peur, non? Enfin, moi ça me fait peur. Quand on voit des pommes comme ça là et qu'on voit 60 pommes comme ça sur un arbre qui est comme ça là, ben, moi je me dis là il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Comme tu disais là, est-ce un arbre ou une vache à lait? Savoir, je sais pas trop. Mais ça vit pas très longtemps généralement parce que l'équilibre il est précaire quoi. Je veux dire le volume foliaire par rapport au volume de fruits il est ouf, c'est vraiment limite limite quoi. Les arbres colonnaires. Les Spurs là. Ouais, c'est un peu ça, t'as trois feuilles et t'as quatre pommes. Mais là ça c'est aussi un travail qui s'est fait sur la génétique. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que les Spurs, c'est des arbres où on a sélectionné des rameaux courts sur certains pommiers, par exemple, c'est surtout sur les pommiers, sur ces arbres colonnaires là. C'est des arbres qui font un axe vertical et puis plein de petites branches très, 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 très denses, très rapprochées là. Et c'est assez érigé. Et donc en fait, c'est souvent issus de bouturage de parties de branches qui ont évolué génétiquement à faire des rameaux courts. Et on part à partir de ça parce que génétiquement, il s'est passé quelque chose dans ce rameau court par rapport à l'ensemble de l'arbre. Et donc, tac, on remet ça et on développe l'arbre à partir de ça. Donc en fait, c'est des espèces d'anomalies, les spurs, quoi. Au début, je ne comprenais pas trop, mais bon, c'est qu'il y a une modification génétique. Ce que je trouve fou, c'est que l'arbre, il ne retrouve pas la sortie génétique classique. Tu vois, habituellement, on peut se dire qu'il pourrait, toi, tu le remets, et puis il fait un nouveau bourgeon à bois, il repart en nettoyant sa génétique, en se disant, bah, je refais du bois. Et là, non, il continue à persister à faire son système un peu de rameau court, quoi. Incroyable. Ça marche pas sur sur toutes les espèces de pommes. Il y a toute une liste de pommiers où ça fonctionne et d'autres où ça fonctionne pas. En tout cas, c'est pratique, hein. Un bâton et des fruits sur le bâton. Moi, la question que ça me poserait, c'est je fais à manger pour les humains. Quelle est la qualité nutritive de ces pommes? C'est à peu près la seule question que ça me poserait. Je trouve que justement, encore une fois, la vigne exprime bien le truc, quoi. C'est qu'on dit qu'on fait les meilleurs vins avec les vignes qui souffrent le plus, quoi. Mais oui, enfin, je veux dire, c'est communément admis quoi, qu'il faut mutiler la vigne pour qu'elle fasse du bon raisin, quoi. Il y a des vraies questions à se poser, je pense, quand on est agriculteur, de qu'est-ce qu'on donne à manger aux gens. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question fondamentale, je crois, moi. Bon, mais il faudrait essayer de voir, je sais pas, parce que ça, bien sûr, ils se gardent bien de peser le taux de matière sèche dans ce genre de choses. Hein. On pourrait peut-être le faire en faisant sécher des pommes, peut-être, tu vois. Tu fais sécher l'entièreté de la pomme, tu la coupes en tranches, là, que tu fais sécher deux pommes qui font le même poids à la base. Et après, tu repèses au gramme près, voire la densité. C'est délicat, hein, parce qu'il reste toujours un peu d'eau, tout ça, mais cette Le densité. Brix, Hein? le Brix, ça permet déjà d'avoir Le le taux Brix. de sucre. Ah, le taux de sucre, ouais. Oui, mais. Retirer les minéraux, c'est un truc un peu complexe. On peut avoir une plante bourrée de sucre avec peu de minéraux dedans. Justement, pour le Brix, normalement, c'est une combinaison C'est entre une les combinaison. deux. C'est pas directement le taux de sucre. Alors, on sort un peu Ouais, des. ça pose question parce qu'en fait, c'est toujours, on pense que l'amendement végétal uniquement, c'est pas forcément là où tu auras le plus de matière sèche en fait finalement. Ben, c'est ça qui est paradoxal. C'est pas simple en fait. Hein. Des fois en agriculture bio, je veux dire les jardins en lasagne, on peut très facilement faire pousser des courges sur du fumier quoi. Hein? Et donc dans ce cas-là, entre faire pousser sur du fumier ou faire pousser à l'ammonitrate, ben, je pense que quand on pèse, on doit pas être loin d'avoir la même chose. Hein. Et donc c'est pas simple en fait. C'est des vraies questions qu'il faut se poser, qu'on ne s'est pas bien posé, je crois. Enfin, moi je dis ça parce que je vois encore une fois les vignerons, parce que bon, ils expérimentent beaucoup de choses et il y a beaucoup de diversité, et c'est très facile de voir. C'est très facile de voir l'impact. Mais il y a des vignerons en bio qui balancent des tonnes de fumier à l'hectare. Et qui font des rendements très importants.
Et il y a des vignerons conventionnels qui mettent quasiment pas d'amendement et qui font des rendements plus maigres avec des raisins super concentrés. Donc bio pas bio, ça veut pas encore dire vraiment quoi. Tu vois? Et l'alimentation que végétale, moi, elle me pose question. Hein, tu vois? Et je pense que, enfin, il me semble avoir entendu aussi Alain Canet dire, c'est vrai que tu fonctionnes que sur du hors-sol, hein, des fois, quand tu es sur un jardin en lasagne. Hein. La connexion minérale, des fois, elle n'est pas évidente, quoi. Tu vois, Yves Hérodi, ça le fait bondir, ça. Il n'est pas du tout d'accord, quoi. Non. Mais en même temps, il a tort parce qu'il ne veut pas y regarder. Mais, enfin, c'est embêtant qu'il ne veuille pas y regarder parce qu'on aimerait bien qu'il y regarde un peu plus, quoi. Revenons à nos arbres. Quand on doit supprimer une branche, donc on l'a vu hier, là, quand j'ai fait cette petite découpe, j'aurais aimé faire une découpe d'un morceau de bois plus gros pour qu'on puisse l'observer encore plus. Mais quand on coupe une branche, il faut vraiment faire attention de couper que la branche, en fait. Ça, c'est très important. Parce que si on coupe que la branche, on va se retrouver à vous voyez cette connexion entre des vaisseaux verticaux là et les vaisseaux de la branche. Le bourgeon, il est né à cet endroit. Et tous les ans, en fait, il y a une couche de tronc qui se rajoute et puis après une couche de branche, une couche de tronc, une couche de branche. C'est ce qui fait qu'on a cette connexion incassable entre une branche et le tronc, quoi. Je pense qu'on pourrait tirer des dizaines de tonnes sur une branche en verticale, comme ça on n'arriverait pas à la détacher du tronc. C'est d'une connexion hallucinante. Hein. On a vu, il y a des arbres qui tiennent des branches qui font 15 mètres avec 200 kg de gland au bout et ça tient. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je pense qu'on ne peut pas faire ça en titane. Hein. On ne peut pas. Donc là, la connexion, elle est quand même magique. Donc cette interconnexion-là, elle est mécanique, mais du coup, il y a une espèce de densité aussi et puis une connexion entre des vaisseaux verticaux et des vaisseaux horizontaux. Et donc, on a vraiment une protection et une différenciation entre les vaisseaux de la branche et les vaisseaux du tronc. Déjà, génétiquement, ce n'est pas tout à fait les mêmes, puisque c'est un nouvel arbre qui a poussé sur l'arbre. Et en plus de ça, il y a ces connexions de vaisseaux. Quand on fait la coupe, ce que montre ce petit dessin là, c'est que le bourrelet qu'il y a ici, donc c'est le renflement sur le dessus, et le bourrelet qu'il y a en dessous, l'autre renflement, donc l'aride en haut et le bourrelet en bas, appartiennent à l'axe porteur. D'accord ? L'axe porté, lui, pousse à l'intérieur de cette partie-là. Donc quand on enlève une branche, il faut absolument prendre en compte cette chose-là, et donc ne couper que ce qui correspond à la branche. Si on s'amuse à couper le plus court, le souci c'est qu'on fait rentrer de l'air dans la plante. C'est-à-dire qu'on va ouvrir des vaisseaux et de l'air va rentrer dans la plante. On va avoir des cavitations qui vont se passer par entrée d'air et donc des vaisseaux qui seront inopérants. Dans un premier temps, c'est ça le problème. C'est que dans le deuxième temps, qu'il y a des parasites qui viennent et qui viennent décomposer le bois. Ils viennent décomposer un bois qui est mort, laissé en pâture. D'accord ? C'est pas eux qui ont créé le problème à la base. De la même manière, on parlait des branches que l'on laisse mourir et que est-ce qu'on les enlève ou est-ce qu'on les enlève pas. Le souci, c'est quand même que le recouvrement commence à s'opérer dès la mortalité de la branche. Donc on peut avoir un recouvrement qui commence à se mettre en place. Et tant qu'on n'enlève pas la branche, le recouvrement il a tendance à essayer de monter sur la branche, on arrive à avoir des recouvrements qui font comme ça 10 cm de long à essayer de remonter sur la branche qui n'est toujours pas morte. Donc là, le souci, c'est que l'étanchéité, la zone d'étanchéité, elle n'est pas faite depuis très longtemps. Et le risque, c'est qu'au bout d'un moment, les micro-organismes ou les champignons, donc par dessèchement, il n'y aura aucun problème. Mais au bout d'un moment, les mycélium, eux, et les ifs, là, des champignons, arrivent à rentrer là-dedans et arrivent à casser la porte. Parce qu'en fait, il y a une espèce de piste d'atterrissage pour champignons, là, cette espèce de chicot, cette branche, qui va rester là très longtemps. Et au bout d'un moment, les micro-organismes vont arriver à casser la porte. Et en même temps, pour aller dans le sens de la nature, si tu n'enlèves pas la branche, la plupart du temps, toute l'eau va percoler sur la branche et va se mettre à la base de la branche. Et donc, tu as tout ce poids là en levier sur cette partie-là morte. Et la plupart du temps, quand tu n'enlèves pas la branche, elle finit par casser à la base. Et donc, quand elle casse à la base, elle favorise le recouvrement. C'est quand même bien foutu. Ouais, et puis à quel moment c'est la maison de la chouette? Oui. Enfin, naturellement, c'est rien de négatif, quoi. Tu vois, même si ça pourrit, que ça repourrit,
Je me dis, bah, ça fait, ça, si, enfin, si on ne jetait plus de papier dans les rues, le petit balayeur, le travailleur est plus. Donc il y a un peu, il y a du boulot pour tout le monde. Il faut du boulot pour tout le monde. Donc vive la pourriture. Faut bien agrader les sols. Mais à court terme, on préfère garder nos arbres sains. Et donc du coup, je pense que c'est nécessaire de recouper les branches à ras des parties vivantes sans entamer les parties vivantes pour que le recouvrement se fasse le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez que... Déjà, ils vous le vendent sous quel nom? Cicatrice. Oh, les méchants. Ça cicatrise pas les plantes. Donc c'est pas un cicatrisant. Il faudrait que ça arrive à se mélanger à la sève élaborée pour stimuler la croissance des méristèmes secondaires pour accélérer la cicatrisation. Il y aurait que ça. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Peut-être un badigeon avec des extraits fermentés accélère le... Je sais pas. Histoire de ne pas laisser rentrer l'air déjà. Voilà, voilà. Ouais, parce que dans un deuxième temps, la question c'est ça. Donc on peut se dire que si on met ça, on ne laisse pas rentrer l'air. Alors c'est vrai que si on fait ça l'hiver, on va fermer et on va fermer. Donc on va peut-être limiter un peu le dessèchement peut-être. La déshydratation. C'est ce que ça va pouvoir faire dans un premier temps. Sans doute, oui. Mais en même temps, est-ce qu'on a intérêt de limiter la déshydratation du cône d'insertion? Ben, c'est fait pour. Oui, c'est sûr, de toute façon. Ben, oui. Et même plus, je dirais qu'une fois que c'est sec, les champignons, ils n'ont aucune envie de dégrader. Alors que si tu maintiens l'humidité, ça va leur permettre d'avoir un petit cocon tout douillet pour décomposer le bois. Et la plupart du temps, ce que l'on observe, c'est que sous les goudrons cicatrisants et des choses comme ça, ben le bois se décompose plus vite. C'est bien, c'est pas bien, en fait on s'en fout, hein, qui se décompose, c'est pas un problème, mais de là à mettre des goudrons, ben en fait on s'aperçoit qu'il y a, peu de... Les seules études qui pourraient montrer un intérêt, c'est sur le cerisier, au mois de juin, sur des coupes de moins de 3 cm de diamètre, on a la sensation qu'il y a une petite amélioration liée au ralentissement du dessèchement. Enfin, et donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup de badigeonner sur chaque coup de sécateur ce genre de produit? Je crois pas. Je crois pas. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin, c'est que l'arbre, lui, a son système de tillage et son système de compartimentation qui est induit. Donc, si vous faites une bonne coupe, il va se débrouiller avec ça. Donc, autant faire des bonnes coupes et le laisser se débrouiller, puisqu'il est, tout à fait fait pour. Ouais. Donc, la quasi-totalité des grimpeurs et lagueurs partout en France ne mettent plus de cicatrisants. Peut-être à tort certaines fois, mais bon, globalement, je pense qu'il vaudrait mieux travailler sur un badigeon en se disant, bon, alors je mets un badigeon, qu'est-ce que je cherche à faire avec mon badigeon? Si j'occupe l'espace, par exemple, il existait un produit, là, mais même sur la vigne, ils appelaient ça l'escudo sur la vigne. Et, en fait, c'est un champignon antagoniste. Donc, on mettait un champignon, le trichoderma, c'est un champignon qui empêche les autres de venir, ouais. Qui prend la place, et quand il prend la place, comme les champignons n'aiment pas beaucoup la concurrence, et surtout la concurrence de ce champignon-là, eh bien, vous le mettez, il décompose le bois, mais tellement lentement que en fait, ça ne pose plus de problème. Donc vous mettez ce trichoderma partout, vous pulvérisez du trichoderma partout, ce qui fait que les autres champignons ne peuvent plus fonctionner. Bah, c'est un peu dommage peut-être, non? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le but de ne plus faire fonctionner les champignons? C'est-à-dire qu'il y a tellement de pathologies qu'on voudrait arrêter les pathologies, quoi. Enfin, ça va encore peut-être dans un sens un peu bizarre, quoi. Hein. Toutes ces recherches-là d'aseptisation dans la nature ou de musellement de la nature, j'ai l'impression que c'est vraiment une fuite en avant terrible. Alors que c'est si simple d'accompagner et de stimuler, quoi. Donc, les mastites, cicatrisation, tout ça, moi, je suis pas pour. De la même manière, je vais pas forcément me faire des amis, mais la désinfection des outils, je vois pas trop, quoi. Je vois pas trop. Si on prend en compte ce que c'est qu'un spore de champignons et que en fait des spores, on en respire à plein poumon en permanence, le fait de penser qu'entre deux coupes, je trempe mon produit dans le sécateur dans le produit, je fais une autre coupe, je trempe le sécateur dans le produit, je fais une autre coupe, est-ce que ça va empêcher les spores qui sont dans l'air de se poser là, à cet endroit-là? J'ai des doutes.
Et puis moi, en fait, je suis partisan du non hasard. Je pense que les plantes, elles se font pas attaquer par des insectes par hasard. Les insectes, c'est quoi un insecte en fait? C'est des antennes sur pattes, quoi. C'est des insectes, c'est un insecte, c'est des antennes. Des antennes qui sont là pour capter les molécules odorantes émises par les plantes. En disant, ben, je suis un puceron, du coup, je vais m'orienter sur des plantes qui sont chargées en sucre. Quitte à ce que, tant mieux si elles sont trop chargées en sucre. Et donc, je vais de préférence donc capter la plante qui a du sucre. Ah, c'est celle-là, là-bas, paf, je vais dessus. Et là, on le voit, ça, c'est d'une évidence criante quand on voit certains arbres attaqués, d'autres pas attaqués, certains légumes attaqués, d'autres pas attaqués. Et quand on fait des cultures irriguées et chargées en azote, ben, systématiquement, les insectes piqueurs-suceurs viennent et se régalent. Alors que quand on a des plantes avec davantage de diversité, avec une alimentation plus équilibrée, on se retrouve avec des plantes qui se défendent par elles-mêmes par rapport à ça. En quelque part, le puceron, c'est le début de l'équilibre. Comprenez? Là, la maladie, elle est vraiment dans cet axe-là. Donc ça, c'est la toute première diapo. Et moi, j'ai tendance à penser que c'est un peu le cas pour toutes ces choses-là. Alors des fois, en biodynamie, on a ces réflexions-là. Mais c'est vrai que certaines fois, il faut remonter loin, loin. Hein. Comme on disait, des problèmes d'évolution d'espèces et de multiplication et de... Et donc c'est pas toujours simple quoi, hein. Comme les phytoplasmes là, on est vraiment embêté avec ces phytoplasmes, on sait pas trop quoi faire. Hein. Bon, mais pour moi ils expriment quelque chose quand même. Donc tant qu'on se met pas à l'écoute de ça, et c'est pour moi le travail de l'arboriculteur, c'est se mettre à l'écoute de ce que nous disent ces insectes qui en fait sont des révélateurs d'une situation déséquilibrée. Révélateurs d'une situation déséquilibrée. Donc alors c'est quoi le boulot de l'arboriculteur? Soit je maintiens mon déséquilibre en tapant, c'est ce que dirait Eric Petiot, en tapant en pompier donc sur le truc, parce que bah, y a le feu partout, il faut bien que je fasse quelque chose, donc je tue les pucerons. Je tue les pucerons, ah, il n'y a plus de pucerons. Est-ce que j'ai réglé le problème de la sève trop chargée? Non, toujours pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer l'année d'après? Pucerons de nouveau. D'accord? Donc, en fait, bah, tu peux régler le problème des pucerons, mais après, il faut aussi régler le problème de la plante qui accueille les pucerons. Plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, si on veut trouver des solutions au problème, il faut aller plutôt dans ce sens-là. Donc si on doit supprimer des axes à écorce incluse, parce qu'en fait ça va nous arriver. Et là, on est bien dans ce problème-là, vous voyez, de création d'une fourche. Et là, j'ai pas de cône d'insertion. Vous voyez, les vaisseaux sont continus. Donc il n'y a pas de bonne coupe. Il n'y a pas de bonne manière de faire. L'idée, c'est de faire en sorte que la coupe soit le plus petite possible et le plus rapidement recouverte possible, et que hydrauliquement, ce soit logique d'aller alimenter le méristème secondaire dans cet endroit-là. Forcément, si je fais une coupe, et vous pouvez faire l'observation, hein, si je fais une coupe plus longue, comme ici, ben, je vais avoir un recouvrement qui va se faire ici, là, et toute cette partie-là va mourir. Si je fais une coupe plus longue, ça va fonctionner, mais si je fais une coupe plus verticale, ça va fonctionner un peu de la même manière, mais par contre, je vais avoir une surface plus importante à recouvrir. Donc c'est dommage. Donc en fait, la coupe la plus évidente, c'est de la faire à l'aisselle de la ride perpendiculaire à l'axe que l'on supprime.